clap de fin pour Annie Bimuck dans Demain nous appartient. L'actrice de 33 ans, qui jouait le rôle de l'avocate Lo Clément dans le feuilleton quotidien de TF1, s'en va pour de nouvelles aventures professionnelles. Sur son compte Instagram, ce samedi 7 août, elle a fait ses adieux à l'équipe avec laquelle elle a eu l'occasion de travailler, mais aussi aux nombreux téléspectateurs qui ont suivi les histoires de son personnage à l'écran, jour après jour depuis 4 ans. Une aventure humaine unique. Après 4 années passées dans la peau de Maître Lo Clément, à la construire, la faire grandir et évoluer, cette femme sensible et forte, cette avocate déterminée. Je sais déjà qu'elle va profondément me manquer, a commenté Annie Bimuck en légende de plusieurs photos d'elle avec les autres comédiens à qui elle a donné la réplique, pendant le tournage et en dehors. Je suis fière d'avoir porté ce personnage à l'écran. J'ai énormément appris sur ce plateau au rythme extraordinairement intense. C'est une aventure humaine unique. A-t-elle poursuivi avec fierté avant d'adresser un big up et big love à S et partenaires, aux auteurs de Demain nous appartient, mais aussi à tous les autres partenaires et techniciens. Bien évidemment, la jeune femme a aussi remercié les fans du show pour leur fidélité. Ariane Séguillon, attristée par ce départ. Avec émotion, elle a salué ce lien si précieux et unique qu'elle continue de tisser avec les innombrables téléspectateurs. Merci aux équipes de production pour leur accueil et leur confiance. À très vite à l'écran, a conclu la comédienne. Dans les commentaires sous son post, nombreux sont ses collègues à avoir réagi, notamment Ariane Séguillon, qui lui a lancé, affectueusement, « Tu me manques déjà ». En story, Rani Bimuck a également partagé une publication annonçant que dans l'épisode de Demain nous appartient diffusé ce vendredi soir à 19h10 sur TF1, les téléspectateurs avaient assisté à la dernière scène de Lo et Nina Saïd, sa fille dans la série, dans le feuilleton.